Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Marie Leterrier et Laetitia Beaujard, que vous connaissez bien sur cette chaîne puisqu'elles sont tout le temps en train de traîner par là. Exactement. Aujourd'hui, on va jouer à un truc qu'on n'a jamais fait encore sur ma chaîne. Qui de vous deux me connaît le plus? Donc en gros, je vais vous poser des questions. Vous allez mettre votre petite réponse sur l'ardoise. Donc vous n'avez pas le droit de tricher ou de vous aider ou de... Non, non, non. Je vais paniquer. Marine dit qu'elle va perdre. Donc peut-être c'est ma malédiction. Voilà, j'ai préparé 10 questions. J'ai une petite aide de vous savez qui ce matin pour préparer ces petites questions. Et voilà, donc il y a des questions qui sont un petit peu chiffrées et tout ça. Donc à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on donnera le point à la personne qui est le plus proche de la réponse. Comme ça, il y aura quand même des points, tu vois. Parce que d'accord. Voilà, ok. On y va. On y va. On y va. Alors, première question. Quel âge avais-je lorsque j'ai découvert Harry Potter? Vous pouvez pas déjà avoir une colle sur celle-là, c'est pas ça. Je le dis tout le temps en plus. Je sais pas, j'ai mis ce qui m'est venu. Vous le dites tout le temps, en plus je le dis dans les lives, je le dis dans les... Ouais, non, je sais. Mais tu sais, au bout d'un moment, on répète tout le temps les mêmes choses. Et en fait, on n'écoute plus. Blasé, tu vois. Blasé. Allez, 1, 2, 3. C'est Marine qui a raison. J'avais 10 ans, c'était en 2001, non, en 2002, après la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers, en cassette, en VHS. Ouais. Alors, question 2, je me suis spoilé la mort d'un personnage avant de lire le livre, de quel personnage s'agit-il? Tu t'es fait spoiler la mort? Je me suis spoilé moi, genre personne m'a spoilé, je me suis spoilé comme une conne, toute seule, comme une grande, la mort d'un personnage avant la sortie du livre. Allez-y. Albus, j'ai mis Fred. Non, c'est Marine Cazon. Oh, du coup. Alors pour la petite histoire. Ah bah alors je vais la re-raconter. Donc, pour la petite histoire, en gros, Harry Potter et le prince de sang-mêlé est sorti en Angleterre avant la France, comme d'habitude. Et un jour, j'étais dans le bureau de un de mes meilleurs amis de l'époque qui était fan de Harry Potter. Et on avait Harry Potter et le prince de sang-mêlé en version originale sur l'ordinateur. Et j'ai scrollé et j'ai vu Dumbledore's dead, said Harry. Ah bah voilà. je savais pas cette histoire, en anglais, tu vois. Et tu vois, à l'époque j'étais pas hyper bonne en anglais, mais ça j'ai capté, tu vois. Ah bah je... non, mais je la connaissais pas cette anecdote. Voilà. Et bien maintenant voilà. Vous savez, donc en fait quand je suis allée acheter Harry Potter et le prince de sang-mêlé, je savais que Dumbledore allait crever, puisque bah voilà. Les boules. Ouais. Mais je m'en suis voulu de fou, hein. Bah tu sais là, mais pourquoi j'ai fait ça, c'était débile. Troisième question. Et là vous pouvez le savoir, mais bon, combien de fois suis-je allée au studio Harry Potter? Elle est tellement concentrée. Elle essaye de compter. 1, 2, 6. C'est 7. Oh. Dommage. J'ai hésité entre les deux. La dernière fois, tu m'as dit, j'y suis allée 5 fois et après, tu y es allée une fois avec Marine. Après ça, que tu me l'as dit. Donc pour moi, c'était 6. Bah en fait, je crois qu'il y a une fois que j'oubliais. Bah. Mais là, j'ai vraiment refait le calcul et c'est vraiment 7. La première fois, c'était en 2013. Donc en fait, techniquement, je suis allée une fois par an depuis l'ouverture des studios. Et deux fois l'année dernière. Donc ça tu savais, au moins deux. Question 4. Quel personnage, quel acteur de la saga Harry Potter est mon crush ultime de la saga? Oh, moi j'ai que le nom du personnage. Non. Bah allez-y. Mais c'est pas ça. Moi je crois que je sais. C'est un mec de l'équipe de Quidditch de Serpentard. Non, mais c'est effectivement mon premier crush. Mais tu parles de George tout le temps. Mais c'est pas George. Mais tu parles de George tout le temps. Alors je parle de George tout le temps. Je dis que si je devais me taper un des frères jumeaux Weasley, ce serait George. Ça c'est la vérité. Mais c'est Dean. Ah oui. Des fois oui, c'est vrai. Ouais. Dès que tu parles de quelqu'un, tu parles de lui. Eh ben non. Pas du tout. C'est vrai que c'est pas. Attends, la dernière fois on était à Nantes, j'ai acheté la baguette de Dean. Et genre on en a parlé, Laetitia. Ah là 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 là. En fait ça va être personne ne me connaît. Le résultat de ce jeu, ça je va me être... connais le moins. Voilà. J'ai plus de points déjà. T'as 2-0 du coup.
Je suis tout le temps un à côté, tu vois. Alors, en 6ème, quand j'étais en 6ème, j'ai participé à une version théâtrale de Harry Potter à l'école des sorciers. Quel rôle je jouais? Ça, vous le savez. J'ai peur de me tromper. J'hésite entre deux, putain. Mystérieux. Alors, je vais mettre en haut celle qui me vient d'instinct et en bas, en petit, celle que je sais pas pourquoi j'hésite avec. C'est bon? Ouais. Allez-y. Hermione. Oui, c'est Hermione. Ah, ça. Je sais pas pourquoi je... Mais à l'école des sorciers, à quelle heure il y a Luna dans l'école des sorciers? N'importe quoi. Un point quand même. Mais ça m'est venu Hermione tout de suite et puis je sais pas pourquoi. Moi j'ai bugué sur Luna. Je jouais Hermione en 6ème, c'est la prof de français qui avait organisé ça. Voilà. Bref, passons à une autre histoire. Question 6. Quelle est ma scène préférée, tout livre confondu, dans Harry Potter? Je parle des livres, ouais, mais c'est aussi une scène que j'aime beaucoup dans les films. Oh putain. Elle est dans les films, ça. Oh. C'est nul. On parle tellement d'Harry Potter, de tout et n'importe quoi. Donc, quelle est ta scène? Se rappeler la fois, t'as dit, après ça, c'est ma scène préférée. Mais je le dis tout le temps, et à chaque fois qu'on regarde ce film, ou que je regarde ce film, je le dis. C'est aussi, je vous donne un indice, peut-être que vous arriverez à la retrouver mieux comme ça. C'est aussi la seule scène qui m'a fait pleurer. À la première lecture, parce qu'aujourd'hui je pleure beaucoup plus quand je lis Harry Potter. Mais à la première lecture, c'est la seule scène qui m'a fait pleurer. Je suis pas sûre que ça m'aide. Mais j'ai déjà écrit un truc, je vais rester là-dessus. Je veux trop savoir ce que t'as mis, je suis trop curieuse. Allez Marine, allez Marine. Tu donnes ta langue au chat. Ah ouais, là vraiment je... Bon bah Laetitia, qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis la scène où Harry danse avec Hermione. Alors c'est ma deuxième préf. Putain. Mais bravo, c'est pas mal. Et oui, c'est dans les livres en plus. Écoute les questions. Mais oui, elle est même pas dans les livres cette scène. Non, ma scène préférée, c'est quand Harry, Ron et Hermione arrivent dans la salle sur demande par le portrait d'Ariana et qui sont tous là à les attendre pour faire la guerre. Ça c'est ma scène préférée ever de tout Harry Potter. Et je le dis tout le temps. Ouais, mais là franchement j'y étais pas du tout. Alors question 7. Combien d'acteurs de la saga Harry Potter est-ce que j'ai rencontré? Est-ce que cette question était française? Je ne sais pas, mais oh my god. Je suis concentrée comme jamais là. Et tu es en train de les noter? Ah, je suis là. Elle fait la liste. Bah ouais, comme ça après je... Mais t'as rencontré tellement de gens aussi. Bah j'allais dire, indice, c'est plus que ce que vous croyez. Je vais mettre ceux que je suis sûre et puis on verra. Donc tu vois, même ça je savais pas que tu pouvais savoir quoi. Si, je le savais ça. Lui tu l'as rencontré à Monte Carlo même. Pas du tout. Bah si, lui. C'était pas au festival de série. Ah Monte Carlo. Lui, oui, non, je parlais de lui. Ah oui, non, pas lui. Là je parle de lui. Ok. Il y en a un qui est une évidence criante que t'as pas. Ah, laisse-moi deux secondes. Attends, j'hallucine. Je te jure, celle-là, impatiente. Puis il y a des gros acteurs. Tu sais quoi? Je vais mettre ça. Allez. Allez, une réponse. Une Allez. Réponse. Une réponse. Bon, je vais mettre ça. Allez-y. J'ai mis 12. Ouh. 15. C'est Marine qui a trouvé. Putain. Alors, Rupert Grint, Tom Felton, Jason Isaac, Alfred Enoch, Stan Janewski, Devon Murray, Christian Coulson, Matthew Lewis, Clémence Poésy, Kenneth Branagh, Joshua Herman, Jamie Waylett, David Bradley, Jesse Cave et Hugh Mitchell. Bravo Marie. Incroyable. T'avais pas vu de show. Bah oui, non, je vais pas me noyer, il y a pas Katie Lang. Effectivement, donc c'est 16. Finalement, my bad. 16. Donc c'est 16. Mais bon, c'était la plus proche quand même. Ouais. Voilà. Bravo Marie, il y a 4-1. Ah oui, j'y crois. Correct. Dans combien de vidéos de ma chaîne Marine est-elle apparue? Non mais la blague. Quelle question de merde. Oh putain. Moi même je sais pas. Quand je t'ai entendu le dire ce matin, j'ai fait oh. Ouais, une fois encore, c'est plus que ce que vous croyez. Vraiment, je plante. Alors attendez que je réfléchisse. J'aimerais tellement que c'est chaud. Non mais grave, franchement, entre les vlogs et les machins. C'est ça ouais, les vlogs déjà. Mais même à compter, c'était hyper compliqué parce que t'es partout. Déjà, t'as une centaine de vidéos sur ta chaîne. Oui, plus de 100, ouais.
Moi je vais te le faire ce jeu là après, tu vas voir, on va voir si tu veux faire la vengeance. Alors vas-y, n'hésite pas. Ce n'était pas pour vous poser des colles, c'était genre simplement. Attends, jouer. Parce que c'est vraiment chaud, parce que des fois on a fait des vlogs en deux parties. Oui, mais sur ma chaîne. Oui, oui, mais même sur ta chaîne, des fois tu sais, on faisait genre. On prend le vendredi, dimanche, on fait un vlog, et juste il y a une journée entière par exemple où on va au studio, et c'est un. Enfin. Oui, voilà, exactement. Ça t'a donné une petite aide. Non, grave dur en vrai. Je crois que c'est pas pareil. Facile. C'est toi qui es dans les vidéos, je te rappelle. Hein. Ouais, mais enfin, on en a. Ah, ils en ont fait tellement. Bah, ouais, faut faire une estimation et mettre un chiffre. Bon, je vais mettre. Déjà, ça c'est pas mal, ça fait beaucoup en vrai. Si je mets ce chiffre. Ah, vas-y. 1, 2. J'ai mis 27. Moi, bon. C'est 17. Oh putain! Mais pas si long! Moi j'aurais dit 30, tu vois! Bravo Marie! 17 vidéos en comprenant donc tout ce qu'on a fait en termes de face cam, challenge, machin, les swaps aussi, les vlogs, les doubles vlogs effectivement. Voilà, donc 17 vidéos, il y a Marine sur ma chaîne. Salut! C'est moi! Question 9. Quel est le titre exact de ma première vidéo avec Laetitia? Oh, le titre exact? Oui. Ouais, bah oui. Enfin, celle qui s'en rapproche le plus, elle aura un point, quoi. Au moins, toi, tu connais le sujet forcément. Ah oui. Bah, je vois ce que vous avez fait, mais j'avoue... Je crois que t'as mis un autre truc avant de mettre mon nom. Attends, parce que du coup, je doute. De... Est-ce que c'était vraiment cette vidéo? Allez-y. C'est le photoshoot Harry Potter. Montage photo avec Laetitia Beaujard. Alors, c'est photoshoot Harry Potter avec Laetitia Beaujard. Ouais, ça, c'est mon nom après quoi. Oui, mais j'avais dit triple exact, mais t'as le point. Bravo Titi. Donc là, il y a combien? Titi, elle a 2. 4-2. À quelle date exacte ai-je passé le cap des 40 000 abonnés sur YouTube? Oh putain, c'était la semaine dernière. Mais grave dur. Je sais même plus parce que ça tombe. On croit que c'est proche et en fait ça fait déjà genre 2 semaines, tu vois. What? Mais non, je sais pas. Bah l'aide pas Titi. J'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me le sortir de la tête, donc voilà. Moi je note ça, mais je pense pas non plus. Allez-y. Le 3 septembre 2008. C'est pile poil. J'hésitais t'as entre... vraiment une chance d'amour. J'ai hésité entre le 3 et le 8. Et bien c'était pas. Le 3. En fait, ouais, je sais pas. Moi, je voyais le 3 septembre. Non, c'était le 3 septembre. Marine a gagné. Mais incroyable. J'ai gagné. Un truc enfin. Fini la malédiction. Bon, bah voilà, c'est fini. Ça vous a plu? Oui. C'était chaud. C'était dur, il y avait des trucs. C'était grave dur, il y avait des détails, franchement. Ouais. Bon. Bah merci en tout cas les filles d'avoir participé à ce petit jeu. Donc comme d'hab, je vous laisse les liens vers leur chaîne en barre d'infos. Et puis voilà. Je pense qu'on va tous le faire, celui-là, en fait. Ça, c'est drôle. Ouais, franchement, c'est drôle, mais des fois, il faut avoir une bonne mémoire quand même. Franchement, il y a des trucs, je vous l'ai dit tout le temps. Ouais, mais tu sais. Bah ouais, mais c'est d'autres qu'on a imprégné plus, tu vois. Des ouais, c'est choqués. Marrant de voir ce qu'on retient. On arrive donc à la fin de cette vidéo, donc merci encore les filles, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, enfin voilà tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. T'as fait quoi?